Yo, nous voici pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va juste filmer un peu parce que j'ai changé de téléphone maintenant. J'ai le Samsung Galaxy A52 et j'ai envie de tester les caméras tout simplement et apparemment, ça filme super bien. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo au-dessus de ma ville de Bastia sur la montagne de Teguim. Voilà, c'est la montagne qui sépare Bastia et Saint-Florent. C'est entre les deux, c'est juste derrière la ville de Bastia et il y a une très 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 belle vue. Donc c'est parti pour le générique. Si vous aimez cette vidéo ou tout simplement ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc là-bas, bon, c'est des petits villages, hein, y a trop de noms, je ne vais pas tout citer. Mais vers derrière cette couronne là-bas, voilà la couronne de montagne à Saint-Florent. Voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que dans mon ancien téléphone, le focus de la caméra principale était complètement pourri. Mais ici sur le 52, le focus il est magnifique. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo. Les couleurs sont magnifiques. Regardez-moi les nuages au-dessus là, de la montagne comme c'est trop beau. Là c'est la caméra ultra grand angle. Très bizarre ça, très 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 bizarre. Voici les tentes de Bigouille. Là, le focus, il se fait tellement bien. C'est le top. Bon, je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo pas très longue parce que bon, ça n'a pas d'importance, je dirais. Là, c'est juste pour tester vite fait. Donc, les conditions sont idéales pour filmer ici. Donc, pas besoin de faire 30 minutes de vidéo. Donc, on va voir. Donc, j'espère que ça va vous plaire. On est au-dessus de Bastia avec un peu de vent.
On est au mois d'août, enfin à la fin du mois d'août, on est bientôt en septembre. Voilà, une petite vidéo test, mais j'en ferai une autre vraiment dans les endroits compliqués à filmer pour voir si les caméras sont superbes ou pas. Les temps de Bigoud qui est en forme de chiffre 2. C'est incroyable, vu d'ici on voit vraiment que c'est un chiffre, que c'est vraiment le numéro 2. C'est extraordinaire. C'est au sud de Bastia, j'ai déjà fait des vidéos, je vous ai déjà montré plusieurs photos de l'étang. Et on peut voir une belle vue, regardez. Comme c'est beau ici. Regardez-moi cette magnifique vue. Et on est juste au-dessus de Bastia, c'est incroyable. La vidéo que j'ai fait sur les temps de Bigoud, c'est juste ici, j'étais à cette zone-là. Voilà, voilà, le focus y revient. Voilà, la vidéo que j'ai fait sur les temps de Bigoud, c'est juste ici. Vous avez vu quand même, il y a beaucoup de choses à filmer sur les temps de Bigoud jusqu'en haut là-bas, tout au fond au sud, au-dessus du chiffre 2 et tout. C'est extraordinaire. Avec cette magnifique vue et tout. Regardez-moi ça. Bon, je sais pas si le micro il marche bien parce qu'avec le vent là, mais en même temps c'est un test. Donc là-bas on peut voir qu'il y a une île. Voilà, je sais plus laquelle. Je sais pas, c'est pas l'île d'Ebb ou peut-être que si en fait. Regardez cette montagne ici, là voilà, là, on dirait une sorte de couronne bizarre. J'ai toujours trouvé cette montagne fascinante. Je sais pas quel nom elle a, j'ai toujours dit la couronne de Saint-Florent, parce que Saint-Florent c'est juste derrière, donc je sais pas. En tout cas c'est magnifique. Voilà, je dézoome un peu, c'est une couronne, je sais pas, c'est impressionnant, vu d'en bas, vu d'en haut, vu de derrière, d'une autre montagne, c'est toujours impressionnant de regarder ça, c'est trop beau. En tout cas, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo. Ça doit faire au moins 2 mois que je n'ai pas fait une vidéo extérieure de chez moi. Donc, la précédente, c'était où je parlais de ma chaîne YouTube. Voilà, dans un parc de santé, tout ça, au nord de la Corse, au Cap. Et là, je suis juste au-dessus de Bastia, dans la montagne juste au-dessus. Et je m'amuse à filmer, à tester mon nouveau téléphone et tout. C'est le top. En plus, il y a du vent frais. Donc, il ne fait pas trop chaud, ça, c'est trop bien. Donc voilà, je vais voir un peu ce qu'il y a à filmer d'autre, parce que la montagne, elle n'est pas petite et tout, donc il y a beaucoup de choses à filmer, mais c'est toujours la même chose, donc j'ai pas trop envie de faire une vidéo trop longue, à voir ce que je pourrais filmer de plus. En haut de cette montagne, il y a une antenne, donc on la voit pas tellement, je sais pas si c'est celle-ci, je sais qu'il y en a plusieurs. Et une de ces antennes, c'est pour diffuser tout simplement la TNT, la télévision numérique terrestre, et aussi les réseaux téléphones à mon avis. C'est la montagne principale qui diffuse les ondes télé... dans toute la haute Corse, je dirais. Enfin, peut-être pas... Du moins, tout le haut de la Corse... de la haute Corse, quoi. Voilà, là-haut, il y a une antenne. Donc là, on la voit pas tellement, la plus grande. Donc si à un moment donné, on la voit, je la filme. C'est l'antenne la plus impressionnante de la haute Corse, en fait. Regardez-moi ça. On voit largement la couronne d'ici. On va zoomer un peu. Comme ça, je teste aussi les caméras. Voilà, on va zoomer un peu plus. Donc là, je suis en zoom x4. On peut aller jusqu'à 10, mais après, c'est trop flouté, à mon avis. Ouais, après, c'est moche. Donc voilà, on peut voir quand même la montagne en forme de couronne qui est trop belle. Et après, il y a 2 petites montagnes bizarres, là. Et après, c'est les montagnes principaux de la Haute-Corse. Voilà. Et là-bas, il y a Saint-Florent derrière cette couronne. Et on voit pas très bien d'ici. On peut voir peut-être un peu vite fait ici. Saint-Florent, c'est une très, très, très belle ville. Thank you.
Bon écoutez, peut-être ça sera tout pour cette vidéo, donc moi je fais déjà une outro, enfin une fin d'intro, voilà, une conclusion. Voilà, je voulais tester un peu les appareils photo de mon téléphone, c'est juste un petit test parce que je veux faire une autre vidéo où il y aura vraiment un grand test sur les caméras, voilà, sur toutes les caméras. Donc voilà, je ne sais pas s'il y aura d'autres séquences après celle-ci. Voilà, moi je vous dis en tout cas, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, vite fait avant de finir la vidéo, voilà l'antenne. Je pense pas que c'est l'antenne principale, c'est une des antennes, donc là je vous montre un peu mieux, donc voilà. Si jamais je vois l'autre antenne, je la ferai en séquence en vidéo. Bon, je croyais avoir fini de tourner une vidéo, au final non, il y a d'autres paysages à filmer, donc on va voir ça maintenant, donc je continue. Voilà, je vous ai dit qu'il y avait toutes les antennes, donc la plus grande, celle au milieu en rouge, voilà celle-ci. Donc elle est un peu plus loin, donc forcément on la voit plus petite, mais c'est la plus grande de toutes. Alors on est à peu près entre 600 et 800 mètres de hauteur au-dessus de la mer. Voilà, au-dessus de Bastia et tout. Donc on va dire 700 mètres au-dessus de Bastia, de la mer et tout ça. Et honnêtement, pour un mois d'août, il fait assez frais à cette hauteur. Bon, il n'y a pas le soleil actuellement, vous pouvez voir qu'il y a de l'ombre de partout. Voilà, c'est pas très compliqué. Oh, regardez, en bas, on peut voir Bastia. Regardez Bastia. Bastia Sud. C'est incroyable de voir Bastia d'ici. Regardez-moi ça. Ah, en fait, je me suis trompé avant. Donc, l'île qu'on voit au fond, c'est l'île d'Ebe. Donc ici c'est une autre île. Voilà, elle, c'est une autre île. Ici c'est l'île d'Elbe. Ou l'île d'Elba. Je sais plus s'il y a un A à la fin ou un E. Voici la ville de Bastia. Tout ça c'est Bastia. On peut voir le port de Bastia tout au fond là-bas. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Je sais pas comment sera le rendu après le montage vidéo, mais c'est trop magnifique. Et le focus marche super bien. Voilà, cette fois, c'est sûr à 100%, ça sera tout pour cette vidéo. Donc voilà, je vais finir après cette petite séquence où je vous dis à bientôt. Je vais mettre 2-3 petites vidéos de séquences de paysages de la ville de Bastia. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.